Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est-à-dire, nous devons mourir en tant que musulmans. Aujourd'hui, c'est le 13 Ramadan 1443 de l'Égypte, le 14 avril 2022. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale, et à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Et nous sommes sur l'espace Kigayo pour prêcher l'islam, pour appeler les gens à devenir musulmans, pour leur parler de ce que nous savons de l'islam. Si les questions sont dirigées dans le Coran, alhamdulillah, on fera l'effort pour répondre. Si c'est une question dirigée dans la Bible, on fera l'effort également, inshallah, pour répondre. Mais venir parler de l'islam, Allah nous a recommandé ceci. Dans le Coran, loi 16, verset 125, par la sagesse, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et puis discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui sait ce qui sont les mieux guidés, et c'est lui qui sait ceux qui se gardent de son chemin. Allah dit dans le Coran, surat 67, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais même essayer, Dieu nous a donné le pouvoir aussi de pouvoir nous-mêmes nous guérir au travers de lui-même ces signes qu'il a laissés. Alors, il est important pour vous rappeler ceci. Vous savez, vous voyez que les gens se convertissent en masse. Vous voyez, les gens sont dérangés, ils sont choqués. Parce qu'aujourd'hui, l'islam en Côte d'Ivoire a eu son respect. Avant, ils nous foulaient aux pieds. Aujourd'hui, ils ont eu le respect de l'islam. Et ça s'impose à eux de bon degré ou de force. Donc, du coup, ils sont passés par plusieurs moyens. Vous allez trouver souvent sur les réseaux des gens qui insultent les musulmans. C'est le désespoir, les gars. Ils sont désespérés. Il n'y a plus. C'est qu'il n'y a plus devant, il n'y a plus derrière. Donc, c'est juste maintenant qui est mieux. On dit arrêtez d'insulter, prêchez le message que votre Dieu vous a donné, la prêcher ça, c'est quoi le message? On veut voir maintenant le message. Chacun n'a qu'à prêcher sans parler de son ami. C'est là on voit qui tu es vraiment. Quelle est la religion qui donne les enseignements vraiment? C'est ça. Pourquoi? Aujourd'hui ils sont choqués. Aujourd'hui ils sont découragés. Aujourd'hui d'autres même sont fâchés. C'est pas de notre faute. L'âme c'était déjà prédit. Allah dit, un moment donné, sa vérité va triompher. Il veut éteindre avec le souffle de leur bouche la vérité. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière. En dépit de la version des associateurs. Surat 61, verset 8. Merci, ordinateur. C'est pour vous dire, c'était écrit 1400 ans avant même que nous soyons ici présents. Alors, soyez tranquilles. Vous, musulmans, nous vous appelons seulement à la tolérance. Parce que c'est votre éducation que Dieu vous a donnée au travers de sa religion. Nous vous invitons aussi à la tolérance, au bon vivre. Et en même temps, nous vous invitons aussi à la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fléau qui mine la société. Aujourd'hui, la terre a pour devoir de vous transmettre ceci. Faites attention. Jeunes que nous sommes, faisons attention tous à ce fléau-là, qui est quoi? La quête obligatoire, par tous les moyens, en tout cas, Tchoko no Tchaka, la quête de vouloir avoir l'argent forcé. Aujourd'hui, à cause de l'argent, tu peux voir un vieux de 40 ans en train de ramper à l'aéroport à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que tu vas bafouer ta dignité. Et alors nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que lui, il a honoré l'être humain. Il a rendu l'être humain grand. Dieu fait par la coup dans le Coran. Non, tu vas ramper devant la créature. Alors les frères, nous vous disons, c'est des choses à ne pas copier. Vous en tant que jeune, aujourd'hui, regardez un peu. Ce monde d'aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu es quelqu'un? Tu n'es rien. On ne vous dit pas de ne pas chercher l'argent. Parce que aller chercher l'argent est dans le Coran. Dieu dit même sortez, allez travailler. Travailler fait partie de son adoration. Avoir l'argent licite fait partie de son adoration. Mais est-ce qu'on est prêt à tout pour avoir l'argent? Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. Remuer ses rondeurs devant vidéo pour avoir un peu de vue, pour avoir un peu de tiers.
l'argent, l'âme, le jeton, le tchèquois, le tanger. Tout le monde veut avoir. Tout le monde veut avoir ça. Et ils sont prêts à aller par tous les moyens pour avoir. Et c'est ça qu'ils sont en train d'inculquer à notre jeunesse. Non. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, laisse un peu de savon dans tes oreilles. Prends caméra, faut dire, je viens à peine de me laver. Tu seras célèbre. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer à la jeunesse aujourd'hui que pour avoir de l'argent, il faut créer le buzz. Il faut créer le buzz. Il faut dire parti, je ne peux pas supporter, j'ai avoir de l'argent. Aujourd'hui, on fait aussi la prolifération de la médiocrité. Parce que c'est ça qui compte. On a compris ici. Non. Ils nous ont essayé de faire croire qu'aujourd'hui, pour être célèbre, tu ne dois pas rester dans l'illicite. Il faut forcément faire l'illicite pour être célèbre ou bien pour avoir quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon nombre de ceux qui ont l'argent, si tu veux passer la fortune au scanner, tu vas te rendre compte qu'en réalité, même ne mérite pas d'avoir 10 000. Non. Aujourd'hui, on est prêt à faire tout, à laper les pieds de notre frère, à laper les pieds d'un humain comme nous. Alors que lorsque Dieu nous appelle pour venir prier, pour venir se prosterner devant lui, alors qu'il nous a tout donné, il nous donne tout. Il nous donne le soupe de vie. Non. On ne peut pas payer ça. Personne ne peut payer le soupe de vie. Personne n'a la facture de soupe de vie. Mais tu n'es pas capable, 5 fois par jour, de prendre conscience, de te rappeler de lui, d'aller te prosterner devant lui. Mais tu es prêt à sacrifier ton temps. Allez te prosterner devant une simple créature qui va aux toilettes comme toi. Tu dis, c'est ton dos est large, n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, toi qui t'en fous, ce qui est sûr, ils t'ont vacciné, tu as dit ce que tu voulais. Mais les frères, Allah il est très très lent, mais il est précis, il est concret. Si on ne se répand pas, si on ne se répand pas, regardez ce qu'il nous a dit dans le Coran. Il dit, la course aux richesses vous distrait, vas-y les tue. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Dieu dit, la course aux richesses vous distrait. Tout le monde ici est distrait par l'argent. Moi-même, j'aime l'argent aussi. Moi-même, ici dedans. Qui n'aime pas l'argent, qui lève la main? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde. Celui qui n'aime pas l'argent, il n'a qu'à lever sa main. Non, ceux qui n'ont pas levé la main, nous tous on aime. Qui va lever ta main pour dire l'aime? Ben qui corona dans l'or. Tout le monde aime l'argent. Aujourd'hui, à cause de l'argent, les frères, regardez comment l'homme est tombé bas. Allez, dis-moi, la course aux richesses vous distrait. Non. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Elle est tombée bas aujourd'hui à cause de l'argent. On organise soirée pervers. On dit quelque chose gratuit. Tu payes une boisson, tu as droit à une femme. Oui. C'est-à-dire que la boisson est 15 000, la femme est cadeau. Tout ça, ça existe aujourd'hui, dans ce monde. Comment ils ne vont pas combattre l'islam? Comment ils n'auront pas peur que les gens sortent dans la rue pour leur dire, revenez à ce qui est essentiel. Non. Revenez à ce qui est vrai. Et rappelez-vous de la mort. Bouteille est 15 000. Femme est cadeau. Vous êtes méchants. Et lorsque l'islam dit oui à la femme, habille-toi décemment. Sois respectueux du corps que Dieu t'a donné. Sois respectueux de la valeur que Dieu t'a donnée. Car Dieu t'a honoré. Protège ton corps. Protège ta dignité. Fais valoir ce que Dieu t'a donné comme intelligence, comme capacité de réflexion. Ils disent non. Laissez la femme s'habiller comme elle veut. Vous l'avez emprisonnée. Mais aujourd'hui, lorsqu'on organise des soirées pervers, dame, et qu'on vend la bouteille à 15 000, c'est même pas 15 000, 10 000. Femme et cadeau, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Lorsque, imagine, s'il y avait 10 bouteilles, ils disent qu'ils n'aiment pas polygamie. Hein. Polygamie est péché. Hein. Polygamie est péché. Mais imagine, moi, il rentre dans le bar, il y a payé 15 bouteilles, il y a encore des femmes. Imaginez comment c'est 15 ans. 15 mousseaux devant toi seul. Ça c'est pas plus que polygamie, ça. Ça c'est long polygamie. Ça c'est plus que polygamie. Aujourd'hui, ils sont contre ça. C'est ce qui dérange. Parce que l'islam veut amener l'homme à la vraie valeur. L'islam veut donner la valeur à l'homme. Ils disent non. Nous, on va vous dévaloriser. Mais Dieu dit, de la manière d'amener une femme, et puis l'autre là, des frères, il faut la légaliser seulement pour que tout soit propre.
Ils disent non, marie une, cache-toi pour chercher l'autre. Tu peux aligner, aligner, aligner dehors. Là-bas, là, c'est Tisa. Ici, là, c'est propriétaire. Soirée pervers. Femme est gratuite. Ça existe. Sur les réseaux sociaux, les gars. Une bouteille à 10 000 femmes cadeau. Dieu ne va pas vous pardonner ça tant que vous ne vous répandez pas. C'est les gars, là. Si Allah n'a pas châtié la croix qui va, peut-être que c'est à cause de quelqu'un. Peut-être que c'est à cause de quelqu'un. Parce que c'est quoi on vit aujourd'hui. On a dépassé sur les occidentaux même. Et les musulmans sont tentés de faire ça. Tant aussi même pompiers. Souvent quand tu vas sur TikTok, quand tu as envie de faire des vidéos aussi. Quand tu vois un peu les buzz, tu as envie de faire aussi. Tu es tenté de pouvoir te jeter aussi dans le buzz. Parce que tu es obligé. Parce que tu es encerclé par la mode. Tu es encerclé par la réalité. Tu veux essayer de tenter le coup. On voit les filles qui sont voilées, mais qui dansent ma boucle devant la caméra. Dis-moi à qui. Non. Parce que le voile, ce n'est pas qu'une tenue. Le voile, c'est un système d'éducation. C'est-à-dire, quand tu te voiles, Dieu en même temps en train de te dire, de la manière que tu as réussi à couvrir ton corps, il faut que ton comportement soit le reflet de la couverture que tu as mis de ton corps. Il faut que tu démontres que toi, tu te présentes de beaucoup de choses et tu donnes la valeur à beaucoup de choses. Mais tu te voiles et puis tu danses Mabouka. Tu danses le cordon. Encore un, deux à gauche, à droite, bloqué pour couper, pas douce. Tout ça, tu fais. Non. Quelle est la différence entre toi et puis les autres? Quel est l'exemple que toi tu dois donner? Quel est l'exemple que toi tu es amené à donner en tant que musulman? Parce que nous, Allah nous a donné le fait que nous soyons les miroirs pour les autres. En toi, quelqu'un doit se regarder. Le sunna doit se regarder et doit se détester. Voilà pourquoi le sunna ne marche pas avec quelqu'un qui boit sucrerie. L'ignore, tiens. Sucrerie est 500. Heineken là, ou bien champagne, c'est 50 000. Mais quand il paye sucrerie pour toi, c'est quel chaud. Lui, il fait que tu sois niéré comme lui aussi. Mais pas que c'est clair. Et puis tu le suis, lui, la niéré, il est dérangé. Voilà pourquoi nous sommes des miroirs pour les autres. Aujourd'hui, là, l'un n'est plus au débat. Non. On n'est plus dans la paix de Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Ça, il n'y a pas rien qui peut gagner ça ici. Tout le monde est d'accord. Même ceux-là même qui sont dedans, ils savent que ce qu'on dit est vrai. L'un n'est plus à ça. Aujourd'hui, nous les musulmans, nous sommes les miroirs de ce monde-là. C'est nous, on doit les amener à l'obéissance à Allah. Aujourd'hui, le coin, regardez vous-même l'exemple qu'Allah vous a donné. Les États-Unis, le pays qui était massacré par le système terroriste, aujourd'hui, là, on fait prière dans les rues. Allah dit, lorsque tu essaies de dénigrer sa religion, faut pas faire ça. Plus tu parles mal de l'islam, plus elle avance. Elle ne fait qu'avancer. N'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas lutter contre cette vérité. Nous, on va partir. Dans 10 ans, moi, je serai plus vivant. C'est même pas sûr. En tout cas, si Allah m'a donné longue vie, Inch'Allah. Mais dans 100 ans, c'est évident qu'il ne serait pas là. D'autres vont même plus se souvenir d'un être humain qui a existé, qui s'appelait Chichaka. Je dois partir. Je serai sous cette terre-là. En train de rendre compte de mes actions. Alors mieux vaut dire la vérité maintenant. C'est clair. Mieux vaut mieux me comporter maintenant. Parce qu'on pense que quand on est jeune, on doit atteindre forcément la vieillesse. C'est pas sûr. Tu seras vieux là, c'est pas sûr. Tu vas voyager là, c'est pas sûr. Tu auras beaucoup d'argent, c'est pas sûr. Mais est-ce que tu vas mourir? Clair. Ça c'est banque sûre. Ça ne reste pas dans la machine. Tout le monde va passer. Mais ça va venir te trouver dans quelle position? Et qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas? Imagine-toi au procès de Dieu. Toutes les vidéos que tu verras sur TikTok, on montre ça là-bas. Imagine-toi, le jour du jugement dernier, quand tu étais dans la douche, tout ce que tu faisais, la Dieu met ça là-bas. Ah, ça sera soyeux, les gars. C'est soyeux, hein? Imagine mon frère, ça. Vous avez écrit, j'ai envie de mettre ta vidéo, tu es dans la douche, j'attends. C'est qui ça? Tu ne peux pas nier, on te voit. On te voit, de écran géant. Écran géant. Voilà ta femme, voilà tes enfants, voilà tes quartiers. Et toi, tu veux une écran. Ah, c'est pas la case, c'est pas toi qui parlais là. Cela dit, gratte ta tête maintenant. Non, c'est-à-dire que. Il n'y a pas c'est-à-dire. Les langues, les pieds témoigneront. Allah dit dans le Coran, les pieds. Si Dieu n'a pas pitié de nous. Et puis il ne nous a pas miséricordé, il ne nous a pas gagné à coûter ça. Sauf les prophètes.
c'est par sa miséricorde et par sa grâce. Il nous a fait musulmans pour nous faire candidats du paradis. C'est-à-dire, en dehors de l'islam, je finis sur ça. Tu n'es pas rentré dans l'islam pour ne pas mourir. Tu n'as pas attesté qu'il n'y a aucune divinité qu'à Allah pour ne pas mourir. Si tu meurs, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Que la femme de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Qu'Allah pardonne tous nos péchés que nous avons commis. Amen. En cachette comme en public. Amen. Et qui nous ramène sur la table. En tout cas, qui nous ramène à l'essence que nous sommes. Amen. Qui nous débarrasse de tout orgueil, de toute prétention. Et qui assainisse nos intentions. Sur ce, on va passer au scanner. Les choses sérieuses vont commencer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous dis que simplement, vous le savez, chaque jeudi, surtout pendant ce mois béni de Ramadan, nous avons les tickets, opération tickets pour la construction de notre complexe islamique chargé de convertir. Voilà, c'est une fissabilité pour construire la mosquée, le complexe y compris en même temps. Donc vous voyez, la DDR, par la grâce d'Allah, on veut construire un grand complexe où il y a une mosquée, il y a un centre de formation. Il faut apprendre la jeunesse, l'islam, il faut les apprendre aussi ce que nous faisons. Comme Ismaël le disait, un jour viendra, on sera pas là, mais il faut des gens qui viendront après nous. Hein. Il faut laisser la connaissance aussi, il faut donner. Allah t'a donné, tu donnes. Jésus le disait comme ça, il dit, vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Donc on demande visibilité pour la construction de ce complexe-là. Les tickets sont là, c'est 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Mais peu importe ce que tu peux donner, c'est pour la construction de ce complexe-là. Et rapidement pour dire, mon frère Zaman et toute sa famille du côté de Makori résidentiel, Makori à Mambo, j'allais dire, voilà, ils ont amené le corps du frère qui est décédé en France. Ils sont partis déjà l'enterrer à Bodoukou. Voilà, ils sont déjà de retour, donc sa femme est là, encore elle est dans le vivage. Donc je lui dis, Yako, Fatou, donc sèche tes larmes, je suis passé dans la famille pour les saluer, au nom de toute la DDR et au nom de toute la communauté musulmane. Sur ce, le scanner. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Wa alaikum salam. Bienvenue. Alhamdulillah, on va passer au premier questionnaire qui est Monsieur Kwame. Monsieur Kwame est demandé au scanner. Monsieur Kwame est demandé, s'il vous plaît. Hey, c'est pas fini. Change de position, moi. Tu peux aller là-bas, monsieur. Ok. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. J'étais la dernière personne le jeudi passé. Effectivement. Donc, tu es la première personne le jeudi. Allons-y. C'est cela. Okay. Est-ce que vous venez si vous le dites? Venez ici un peu. Voilà. 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 Voilà, c'est bon. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, déjà, merci pour l'opportunité que vous donnez. Et merci aussi pour l'éducation spirituelle que vous donnez à beaucoup de personnes, parce que sur les réseaux sociaux, des personnes se font passer pour des musulmans en Christ, racontent des choses oui. Voilà, qui ne sont pas exactes, et des choses aussi qui jettent le bord oui. Sur la religion qui est l'islam. Effectivement. Mais comme moi, dans mes réflexions, il y a beaucoup de choses qui m'occupent. Ça touche à la réputation du seul vrai Dieu créateur. Et donc, dernièrement, quand j'étais passé, j'avais posé une question concernant le destin. Tout ce que vous avez j'avais posé la question parce que des personnes dites musulmanes avaient dit que, moi j'ai fait entendre que Dieu trace déjà à la base la destinée d'un être humain. Donc s'il devient voleur, devient criminel, Dieu l'a tracé. Merci déjà pour la réponse que tu avais donnée Ismaël Akar pour la fois dernière. Maintenant aujourd'hui, il y a la question qui me préoccupe, et ça touche toujours la réputation et on va dire les qualités divines de notre Créateur, c'est que déjà dans le jardin d'Éden, donc quand Dieu a créé Adam, il a créé aussi Ève et il leur a dit de se multiplier, donc d'avoir des rapports sexuels et d'avoir des enfants pour conquérir, on va dire, la terre. Et donc, moi, dans mon entendement, le dessin original de Dieu, ou originel plutôt de Dieu, c'était que la terre existe toujours avec des humains dessus. Malheureusement, Adam et Ève ont défailli, ont péché, donc voilà, les conséquences sont là. Dieu peut les détruire, il ne les a pas détruits. Il nous a laissé venir, nous, la descendance de Adam et Ève. Maintenant, quelque chose qui me fatigue, c'est que ce soit la religion, dans les religions dites chrétiennes et la religion musulmane,
proclame qu'il existe un enfer de feu éternel. Si je me trompe déjà, vous allez, concernant les musulmans ou la religion musulmane, vous allez rectifier le tir. Et je me dis que l'être humain vit, on va dire, prenons maximum, si on vit un siècle, maximum, un siècle, ce qui n'est pas, c'est pas évident à notre époque. Et on me fait entendre que l'homme vit seulement un siècle, ça c'est le maximum que je donne. Et Dieu, dans sa justice, comme on le dit, va lui infliger une sentence qui est éternelle. Alors qu'un homme peut vivre un siècle, même le voleur, dans sa vie de voleur, il y a des personnes qui l'aiment. Il a manifesté au moins des qualités que Dieu aimerait que les humains qualifient. Et lui sera jugé dans un feu d'enfer éternel. Donc, quelque part, chez moi, j'ai l'impression que ça jette sur Dieu. J'ai l'impression qu'il est. C'est un Dieu cruel, en fait. Dis ça comme ça, voilà, ou enseigner comme ça. Donc, c'est ma préoccupation. Si on peut éclairer Valentine sur, en tout cas, ce volet-là, ça me plairait bien. Merci. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Non, Dieu, l'éternel Dieu n'est pas un Dieu cruel. C'est comme par exemple, on dit, bon, tu sais, aux États-Unis, il y a la condamnation à mort. Ils ont une loi, peut-être qu'elle est abolie maintenant, je ne sais pas. Mais quand tu fais un certain nombre de crimes, on te met sur la chaise électrique et puis on te tue. On met courant sur toi et puis on te tue. Bon, comment est-ce qu'on peut appeler ça par exemple? On met ça de côté. Dieu a dit, voici mes lois, ne les transgressez pas. Craignez-moi, obéissez-moi. C'est comme par exemple, tu frappes ton enfant à la maison. Tu le chicotes et tout ça. Ce n'est pas parce que tu es un père cruel, mais c'est parce que tu veux, par exemple, que l'enfant prenne le bon chemin. Alors que le gouvernement, dans un pays bien ordonné, il y a la prison et puis il y a la liberté. Il y a des gens qui sont retrouvés certes en prison, mais qui n'ont rien fait de mal. Oui, le destin en a voulu. Mais en même temps, beaucoup de personnes sont en prison parce qu'ils sont des criminels. Ils ont commis des crimes. On ne viendra pas nous arrêter pour nous mettre en prison pour un oui, pour un non. On n'a rien fait. Donc quand tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu a prescrit, mais tu auras ta sentence en fait. Mais l'enfer, c'est éternel. Le paradis, c'est éternel. Mais c'est la vie ici-bas qui n'est pas éternelle. Parce qu'elle est dans le Coran, la vie ici-bas est une vie éphémère, quoi. Et puis il dit dans le Coran, sourate 22, verset 47, Allah dit, un jour auprès d'Allah est 1000 ans de ce que vous comptez. Un jour pour l'éternel Dieu. Ça est dans 1 Pierre chapitre 4, je crois. Voilà. Donc l'éternel Dieu, quand lui il a un jour là, son un jour là, c'est 1000 ans pour nous. Donc imagine combien de temps nous vivons sur la terre. Donc où vous êtes là actuellement, nous on est venu pour vous appeler à l'islam, pour que vous deveniez musulmans, pour obtenir quoi? Pour obtenir le paradis, pour obtenir le royaume des cieux. Mais si vous refusez et que vous adorez autre divinité en dehors de lui, l'éternel Dieu, Deutéronome 5:7, il dit, il est un Dieu jaloux. Dans le Coran, il dit, il ne pardonne pas qu'on lui associe une autre divinité. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc il nous laisse le libre arbitre. Voilà l'enfer, voilà le paradis. Voilà ce que je n'aime pas, voilà ce que j'aime. À vous de jouer. Vous jouez, non? Oui. Si tu t'en as. Allah dit dans le Coran, surat 6, verset 160. Quiconque viendra avec un bien, il aura 10 fois autant. Tu fais un seul bon acte, lui te pointe 10. Mais si tu as fait un mal, c'est un mal équivalent. Mais avec ça, il y en a qui vont en enfer. C'est-à-dire, il donne cadeau, mais on refuse. Il dit, ne vous prosternez pas devant d'autres divinités. Certains sont en train de le faire. Ne commettez pas la fornication. On est en train de le faire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On est en train de le faire. C'est comme ton médecin te prescrit les médicaments. Et puis tu désobéis au médecin. Tu ne vas pas être guéri. C'est pareil pour Dieu. Il n'est pas cruel. Il n'est pas injuste. Il est le Dieu, c'est-à-dire le Dieu de justice et de l'ordre. Il vous nous a mis en garde. Et ce qui est bien pour nous ici actuellement, c'est qu'on n'est pas encore mort, mais on est au courant de ses interdictions et de ce qu'il aime. On sait ce qu'il n'aime pas, on sait ce qu'il aime. Il ne nous demande même pas d'avoir peut-être 100% de points, un exemple. Il nous demande de faire des efforts pour venir vers lui. Montrer que oui, on a commis des péchés, mais on se repent pour venir vers toi. Et puis on te demande pardon. Il aime quand on lui demande pardon. Là, sa miséricorde rentre en scène. Mais tu t'en fous de lui, lui ne dépend pas de nous, c'est nous, on dépend de lui. Personne ne le nourrit, mais c'est lui qui nous nourrit. Et Allah retient, Allah reçoit les âmes de celui qui meurt et celui qui ne meurt pas, mais il ramène celui à qui il a décrété la vie jusqu'au thème fixé. C'est-à-dire les âmes vont vers lui pendant notre sommeil.
il retient la vie de celui qui veut. Et puis il redonne pour les autres jusqu'au thème fixé. Il termine par la sourate 3, verset 185. Allah il dit, personne ne peut mourir. Non, oui, verset 145. Sourate 3, verset 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. C'est lui qui nous a créés, non? Oui. Il ne nous a pas créés sans manuel d'utilisation. Le téléphone portable que tu as, il y a un manuel d'utilisation. Celui qui a fabriqué, il t'a donné un manuel d'utilisation. Maintenant, si toi, tu es allé prendre, charger un autre téléphone pour venir charger ça, là, et ça explose, là, c'est ton problème. Mais le manuel d'utilisation de l'être humain, c'est le courant. Tu te conformes au courant, le paradis est ouvert pour toi, frère. Merci pour la pour ajouter quelque chose. Allons-y. Ça t'a dit. Pour répondre, pour aller directement au fin fond de votre question, parce que pour vous, vous vous posez la question, mais si le paradis, il est, le paradis est éternel, ou que l'enfer aussi est éternel, alors que l'être humain a vécu un temps éphémère, c'est injuste pour vous. Voilà. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que l'être humain en son sein a quelque chose qui est éternel aussi. Son âme, c'est éternel, ça va vivre éternellement. Si dans le paradis, on doit vivre éternellement, et que dans l'enfer on doit vivre éternellement, il est normal que la jouissance des deux lieux seront éternelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Vu que nous, on a une nature éternelle en nous, donc c'est normal que ce que nous allons vivre après cette vie éternelle-là soit éternel. Est-ce que vous avez compris? Oui, je comprends l'idée. Voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est éternel en nous. L'action que nous menons sur terre est éphémère. Mm-hmm. Dieu nous met en garde contre ce qui est éternel. D'accord. Tu vois, vu que maintenant le voleur, lui il vole pour une vie éternelle, mais ce qui paye le prix, c'est son âme qui est éternelle. Et pour une vie éphémère, mais ce qui paye le prix, c'est son âme qui est éternelle. Vu qu'après sa mort, il doit aller vivre éternellement quelque part. Donc s'il doit aller vivre éternellement quelque part, en fonction des actions qu'il a menées sur terre, ces actions-là doivent témoigner dans la direction dans laquelle il sera éternellement. Si c'est au paradis, c'est normal qu'il soit dans la justice éternelle. Si c'est en enfer, c'est normal qu'il soit dans le feu éternel, donc d'accord, c'est normal. D'accord, merci bien. Donc maintenant, merci beaucoup pour les explications. Maintenant, la dernière question, déjà elle ressort de l'introduction que j'ai eu à faire quand je parlais du dessin originel de Dieu, quand il créa Adam et Ève. Bon, là, il y a aussi l'idée que la terre elle-même va être détruite. Ça, les musulmans le prônent, les confessions dites chrétiennes aussi le prônent. Mmh. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est que la terre, elle, n'a rien fait à Dieu. Ce n'est pas la terre qui a péché. Ce sont les êtres humains qui ont péché. Et au préalable, Dieu aurait voulu que les hommes vivent éternellement sur la terre. Non, pas sur la terre au préalable. Ça, c'est selon les autres. Hein. Mais si je dis ça, pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, il n'y avait pas le programme de l'enfer ou du paradis, je pense. Parce que s'il a dit d'être sur terre, la punition de l'enfer est due au fait que l'homme pêche. Or, Adam, comme le dit les livres saints, il était pur, il était sans péché. C'est après qu'il ait désobéi à Dieu qu'il est devenu un être pécheur. Et c'est dès lors que Dieu a proclamé une sentence contre l'être humain. Donc si Adam et Ève n'avaient pas péché, ces deux-là vivraient sur la terre éternellement. Donc je disais la question, c'est pour dire que si dès lors c'était l'idée et que Adam et Ève ont péché et doivent disparaître de la terre n'a rien fait à Dieu. Dieu l'a créé, on l'a dit parfaite, ce sont les hommes de par leurs actes qui aujourd'hui détruisent la terre. Et quelque part, quand je n'ai pas les facultés mnémoniques comme le frère en face, donc je n'ai pas le verset en tête, mais l'idée c'est que la terre était faite parfaite et que les hommes qui détruisent la terre sont ces hommes-là qui seront détruits par Dieu et non la terre. Maintenant, si j'ai l'idée, je crois que c'est psaume verset, chapitre 7. À partir du verset 9 déjà jusqu'au 11, on lit que les hommes, quelque part, entre les trois versets, les hommes posséderont la terre et ils résideront pour des temps, c'est défini, autrement dit, pour toujours, d'autres versions le disent. Et donc, c'est l'idée de la terre qui va être détruite alors que la terre en elle-même n'a rien fait à Dieu, c'est les humains. En fait, cet enseignement, c'est un enseignement des témoins de Jéhovah. Typiquement, ce sont les témoins de Jéhovah qui disent ça, que la terre sera habitée par les saints de Dieu et tout ça. Et ils ont même dit, le paradis est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Nous leur demandons maintenant, où se trouve le paradis? On va aller rendre visite, peut-être nos papas sont là-bas, etc. Ça, ce sont des choses que les témoins de Jéhovah ont dit. Mais non, ce n'est pas comme ça selon l'islam. Hein? Selon l'islam,
la peine, la terre, la fin n'est ni sur la terre, le paradis n'est pas sur la terre. Parce qu'Allah dit, Allah dit à Adam et Ève, descendez du paradis. Quand on est à terre, là, on ne descend plus. Il faut être quelque part pour descendre. Mais maintenant, pourquoi détruire la terre? Mais ça l'appartient. Le monde est fini. Il finit hein, le monde et puis on va maintenant pour vivre une autre vie ailleurs. Nous étions quelque part avant d'être ici. Personne ne le sait. Mais on sera plus, on sera quelque part. C'est pourquoi en islam, nous, on se pose les cinq questions primordiales pour dire qui suis-je? D'où suis-je venu? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que j'irai? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Une fois ta réponse à cette question-là, c'est fini, tu as tout compris. Et c'est ce que les musulmans ont compris. Voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Ok, mais c'est bien. C'est mes deux préoccupations. Maintenant, je vais. Non, c'est la dernière. C'est même une question à laquelle je voudrais que vous répondiez aujourd'hui. C'est juste, voilà, une parenthèse, une ouverture. C'est entre l'âme et l'esprit, y a-t-il une différence? Donc, prochainement, quand je vais, même s'il n'y a pas de questions à poser, voilà, je vous dis. On ne pourra pas répondre parce que cette question a été posée au prophète. Il dit l'âme ne dépend que d'Allah. Nous, on ne connaît pas, on n'a aucune information sur l'âme. Encore moins sur l'esprit encore. Voilà. Pour nous, c'est un homme a un corps et il a son âme à l'intérieur. Maintenant, l'esprit, là, nous, on ne connaît pas. Okay. L'âme aussi, là. En ce qui concerne l'âme, même mon prophète aussi, il ne connaît pas, tout revient à moi. Donc, c'est Dieu seul qui sait. D'accord, merci pour la franchise. Merci beaucoup. Tu seras le bienvenu tous les jeudis. Nous sommes là par la grâce d'Allah. Prochaine question, le scanner. Merci beaucoup. Atakbir. Allah. Merci beaucoup pour les enseignements, Oustaz. Monsieur Oufoué est demandé. Il y a quoi? C'est son nom? Oufoué. Grand-père. À la base, Oufoué Boye. Oh, Oufoué. C'est un musulman. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, c'est pas une question à proprement dite. Moi j'aimerais intervenir sur quelque chose. Le gars il a parlé du destin le jeudi passé. Aujourd'hui encore il est revenu là-dessus. Maintenant il y a quelque chose que j'aimerais que tout musulman ici sache. Nous avons déjà notre destin qui a été prédit par Allah, nous et les djinns. Quand Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour m'adorer, sachez que votre destin il est déjà là. Et à côté de ça, nous avons le bien et le mal. C'est le bien et le mal, c'est en cela qu'on a créé aussi le libre arbitre. Donc quand on est sur la terre, il y a le bien et le mal. Et nous-mêmes, on fait le choix. C'est le choix qui va déterminer là où on va se trouver demain. Donc notre destin, il est déjà là. Nous avons été créés uniquement que pour l'adoration. Qu'Allah facilite l'adoration, qu'Allah facilite le mois de jeûne. Salam alaikum. Et je profite aussi pour lancer un appel aux autorités ivoiriennes de libérer le Jésus Baoulé, parce que moi, je suis Baoulé, s'il te plaît. Ouais, mais il a déjà libéré, je crois. Voilà, donc je pense que l'appel a entendu. Voilà. Ils l'ont déjà libéré apparemment. Hein. Voilà, ce sont les informations que nous avons, Inch'Allah. Monsieur Fofana est demandé, quand bien même il y a beaucoup de Fofana. Monsieur Fofana. Ok. Ah. Atakbir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai deux petites questions. Je dis petites parce que ça serait petit pour vous. Parce que moi, je n'arrive pas à trouver la solution. Bon, la première question, elle consiste au bouddhisme. Parce qu'on nous a dit que Dieu a envoyé des prophètes partout, à toutes les communautés avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais savoir si réellement Bouddha a été et faisait partie des prophètes que Dieu a envoyés. Ça, c'est ma première question. Wallahu alam. Ça veut dire Allah seul sait. Mais ce que je sais, c'est que Allah dans le Coran, sourate 4, verset 164, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et il y a aussi des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc, il y a des messagers, le prophète sallam ne les connaît même pas, il n'a pas entendu parler d'eux. Donc, Allah seul sait si Bouddha fut un prophète ou pas. Mais selon l'histoire, certaines personnes disent,
Il fut un prophète, et mais après que, n'est-ce pas, Bouddha soit passé, le diable est venu introduire, n'est-ce pas, une mauvaise pensée aux gens, et ils ont dénaturé le message de Bouddha après lui. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais pour dire que nous pouvons confirmer cela, Allah Allah, Allah seul sait. La seconde question, bon, on nous a dit aussi dans le Coran que nul individu n'a vu la face de Dieu. Mais ça, si c'est vrai ou faux, avant de continuer ma question. Oui, effectivement, dans le Coran, sourate 7, verset 143 et suite, Allah a pris rendez-vous avec Moïse, la paix de Dieu soit sur lui. Il a vu, Moïse lui a dit, je vais voir ta face. Allah a dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient à sa place, surat al-Haram, surat 7, verset 143. S'il tient à sa place, alors tu me verras. Et lorsque son Seigneur s'est manifesté sur le mont, il a pulvérisé le mont, Moïse est tombé, foudroyé, évanoui. Quand il s'est levé, il a dit non, 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 je suis le premier à me soumettre à toi et tout. Mais là, dans le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, surat 4, la surat des femmes, verset 164, Allah a parlé à Moïse des vives voix. Mais dans le Coran, Allah dit, Allah parle, il n'est pas été donné à un mortel. Autrement que Allah lui parle de trois manières. Derrière un voile. Ou encore, il lui envoie un messager qui lui révèle ce que Allah veut. Ou encore par révélation. Pour Moïse, derrière un voile. Il ne le voit pas, mais il entend. Exode 33, 20, personne ne peut me voir et vivre. Je continue. Je voulais savoir aussi, pendant la montée nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était accompagné de l'ange Gabriel, si je ne me trompe pas. Non. Arrivé à un certain niveau, l'ange Gabriel lui a dit que lui, son voyage s'arrêtait là. Donc moi, je me dis que, quelque part, à part, après cette étape, c'était de croiser Dieu lui-même. Est-ce que Mohamed, il n'a pas causé avec Dieu de vue voir, ou bien il y avait aussi un rideau entre eux? Selon le tafsir de l'Ibn Aïcha radiallahu anha lui a posé la question, est-ce que tu as vu Dieu? Il a dit non, je ne peux pas le voir. Parce que voir Dieu, Allah dit dans le Coran, il n'a pas été donné à un mortel de voir Allah autrement que derrière un voile, par révélation ou encore il lui a envoyé un messager pour lui parler. Sidra tout le monde taha. Gabriel s'arrête là et il le laisse partir selon le tafsir Ibn Kassir, c'est dans la sourate 17, verset 1 et suite. Le voyage nocturne, mais l'explication est dans le tafsir. Donc dans le tafsir, il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu Allah, parce qu'un mortel n'a pas été donné. Et quand Ibn Kassir explique, il explique le hadith de Aïcha, en même temps, il donne la sourate que je viens de citer, il n'a pas été donné à un mortel, que Allah lui parle autrement que derrière un voile, par révélation, ou bien lui avoir un ange pour lui révéler ce qu'il doit dire. Le prophète n'a pas vu Allah, selon ce que j'ai vu dans le tafsir. Je me base sur ça. Oui, je vous remercie. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amin, merci beaucoup. Monsieur Moussa. Moussa est demandé. Moussa. Moïse. Monsieur Moussa est demandé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustad Yali. Ismaël Aka. Je suis venu contre toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset du Coran. Il y a quelqu'un qui est en train de parler sur les réseaux sociaux. Je vois que vous ne le répondez pas. Moi, ça commence à me quitter un peu. Oui, peut-être que ça te fait mal, mais moi, je te dis ça. Parce que quand un musulman vient dire à Ismaël Aka, les trucs comme ça, ça le choque. Et puis, il a raison, c'est bien. Et c'est surat, comment on appelle? On dit, le chrétien là, comment on l'appelle? Gédéon. Il dit, tous les musulmans vont aller en enfer. Mais moi, je vous suis, il y a longtemps que je vous suis. Mais ça là, je vois ça sur les réseaux sociaux. Cette surat là, tu n'as pas bien expliqué quoi. Tu n'as pas bien expliqué pour qu'on nous soit rassurés. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes soeurs, mes frères qui se convertissent à l'islam, c'est bien. Mais avec ces paroles-là, vraiment, c'est dangereux. Ok, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le Coran. Ils ne maîtrisent pas le Coran. Comme moi, je ne maîtrise pas le Coran. Mais
je crois à Allah. Donc voilà mes questions. Est-ce que c'est vrai que nous tous, nous les musulmans, nous allons partir en enfer? Vrai ou faux? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci pour votre question. En fait, vas-y, Sass. Merci pour la question. La Merci pour la question. La réponse à à votre question, c'est que comment est-ce que moi, ce que je me pose comme question, c'est que quelqu'un dit que vous allez aller en enfer. Bon, si moi j'étais pas allé, j'allais faire comment? Si moi j'étais pas allé, si j'avais pas DDR, c'est que t'allais quitter l'islam. La question que je me pose, c'est que c'est les gens qui disent que les musulmans vont en enfer. Les musulmans eux-mêmes ils disent quoi? J'ai déjà dit tu vas en enfer. Toi-même tu dis quoi? Moi je dis c'est vrai parce que je n'ai pas la connaissance du Coran. Donc ceux qui peuvent me dire là, c'est vous. Voilà, ceux qui peuvent m'expliquer, ce sont les spécialistes. S'il vous plaît. Non, islamiquement, ça se fait pas. Moi je suis clair. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dis, moi je vais aller en affaire. Ok, moi je quelqu'un suis. Quelqu'un lui a dit. C'est je dois qui a dit. Non, je parle de mes frères. Voilà. Attends, voilà, doucement. Hein. Voilà. Les gars, on est dans Ramadan, non. S'il vous plaît, encadre. Allez, ça va aller. Pardonnez, sciencez. Pardonnez. Hein. Allons-y. Voilà. Bien, merci. Pardon, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Moi, je dis, je suis musulman. Aujourd'hui, là, je vais quitter l'islam. Je vais aller chez les chrétiens, ça c'est clair. Mais qui va faire que moi, je vais rester? C'est vous. C'est, Dieu t'a donné cette connaissance. Voilà. Non, je vais répondre. Vous en faites. Moi, je connais, je sais prier, je connais les sourates pour prier les trucs. Mais c'est dont Dieu t'a donné. Donc voilà ce que je dois dire. Même si ce n'est pas pour moi, il y a d'autres personnes. Voilà. Non, en fait, je ne dis pas, je ne suis pas en train de refuser de répondre à votre question. Mais mettez-lui le micro, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de refuser de répondre à la question. La question, là, on a répondu à ça, ça peut faire des... On ne sait même pas combien de fois. On a répondu à ça jusqu'à... On est fatigué. Mais moi, en fait, moi je suis un peu... En fait, tu sais, non, ce n'est pas toutes les questions, on répond aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, avant de répondre à une question, celui qui pose la question... Souvent, quand tu lui poses des questions, ça lui permet de comprendre sa question. Non. Quelqu'un d'autre dit, toi, tu vas aller en enfer. Tu dis, toi, tu crois. Si tu crois que tu vas aller en enfer, mais tu fais quoi ici? Ouais, c'est pour ça que je suis venu poser des questions. Non, mais déjà, tu crois. Le problème, c'est pas que tu doutes. Tu dis, tu crois. Si tu doutes, on va dire, bon, on va essayer de régler ton doute. Mais toi, tu dis, comme il a dit là, tu crois. Or, celui qui croit là, il doit accepter. Si tu crois déjà, on ne peut rien faire pour quelqu'un qui croit. On peut faire quelque chose pour quelqu'un qui doute. Ok, merci. Lui veut comprendre. Ok, merci. S'il te plaît. Comme il a dit, étant musulman, si j'ai dehors dit que tu vas à l'enfer, dans ce sens-là, tu dois maintenant te poser la question, je dois en dire ça sur base de quoi? Il a donné telle sourate. Toi, tu vérifies la sourate. Tu fais des recherches, une manière de dire, le musulman ne doit pas être ignorant de sa religion. J'ai dehors en train de te pousser pour aller faire des recherches même. Il fait exprès, il te pousse. Si moi il dit par exemple, dans Marc 9, 49, on dit tout le monde ira en enfer. Est-ce que pour autant les chrétiens vont dire qu'il y a du christianisme? Non, il va se défendre. Il va dire non, tu n'as pas compris, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il va se défendre, il va essayer d'expliquer. Un musulman, certes, c'est vrai, mais ce n'est pas ta première fois de venir nous assister. C'est à peu près de 10 fois que tu viens nous assister. Mais la plupart des musulmans qui sont ici là, 95% leur foi est canquée. Ils connaissent le verset là. Ils connaissent le verset. Ça ne les intéresse pas. Les chrétiens utilisent Surat 9:11-72. Tout le monde sait. Mais tous les jours qui est ici. On a toujours donné des réponses. S'ils viennent nous demander même Surat là encore, bon. Peut-être que toi-même tu as l'intention d'aller là-bas. Là, on ne peut pas t'obliger. Aucun musulman n'irait en enfer. Le Coran dit, Surat 43-68, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Allahu Akbar.
Bon, si on te dit ça, vous êtes musulman, entrez au paradis, vous, avec votre épouse, Michel. Vous allez être traité. Je le connais. Maintenant, si on dit rentrer au paradis, supposons que Gédéon le dit là. Et là, frère, quand tu as arrêté tes bouches, Gédéon, si le dit net là, tu dis frère Gédéon, pardon. Quand tu as donné sur 19 sur 11 là, est-ce que tu peux lire sur 68, 40, 43, 68 à 70, s'il te plaît? Et puis tu attends. Tu deviens défenseur comme DDR. Mais DDR n'est pas la main. DDR. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vu, a vu le père. Tu deviens défenseur de l'islam. Parce que lui, il le dit pour tromper les gens. Mais toi, tu es musulman, non? C'est toi qui dois maintenant dire, ah non, 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 non. Ou bien je pose la question. Tu rentres dans la foule, tu demandes la parole, tu lui demandes, comme il a lu sur 1971, dès qu'il dit tous les musulmans vont en enfer. Mais malgré ça, j'ai vu passer 7 personnes se sont converties. Aujourd'hui, une personne. Du jeudi à aujourd'hui, nous avons fait 28 personnes. Donc, malgré ça, on va en enfer. Hein. Mais les gens viennent à l'islam quand même. Et, tu vois, non, il faut comprendre, frère. Voilà. Donc, quand on donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Il dit, il va dire un dernier mot, puis on va passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Ousmane Ismaël Aka. Bonjour. Comme ça, on doit répondre. Merci. La dernière question, s'il te plaît. La dernière question, c'est M. Sanogo. M. Sanogo. Non, s'il vous plaît, M. Sanogo. Oui, appelle-le quand même. Sanogo. Il n'est pas là. Il est là. Monsieur Sanogo est demandé. Voilà. Attaque. 46-9. 1971. Bienvenue. Allons-y, frère. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je voudrais savoir, la DDR, Ismaël Aka avec Moussa Diané, on dit que c'est la dawa dans la rue. Ouais, ok. Mais on ne fait pas la dawa. Bon, je voudrais savoir, qu'est-ce que Ousmane et Isaac a pu. On a compris. Ils font quoi? Ils font quoi? Et puis ils font la dawa dans la rue. On ne veut pas la dawa, celui qui ne travaille pas. Selon vos mentors, Abdul Madi Kassongouya, il a dit ça à Bamako. Ah, merci. Tu as raison, celui qui ne travaille pas, c'est un voleur. En tout cas, nous, on se débrouille. Mais ce qu'on fait là aussi, on ne dit pas aux gens. Sinon, on se débrouille. Avant la dawa, on nourrissait nos familles. Pendant la dawa, on nourrit nos familles. Dieu dit, on travaille. On veut qu'on aide. Non. C'est d'ordre de notre vie privée. Toi, tu veux être sauvé ou bien tu veux savoir ce qu'il fait dans ma vie? Je suis musulman. Je suis déjà sauvé. Voilà, j'ai déjà sauvé. Okay. Donc, ce qu'il fait dans ma vie, franchement, c'est d'ordre privé. En privé, il peut te dire. Voilà, en privé, tu peux me demander, mais Ismaël, tu fais quoi? Il peut te dire. Voilà. Mais sinon, on se débrouille. On se débrouille. On n'est pas des super hommes d'affaires, mais on se débrouille petit à petit. On plante igname ici, ça sort igname, on plante maïs là-bas souvent. C'est sûr, on se débrouille. Frère, voilà, comme il a dit, ce que je peux te dire, tu ne peux pas travailler en temps plein et puis faire dawa. C'est-à-dire, toi, tu dois travailler du lundi au dimanche et puis tu vas faire dawa. Tu ne peux pas. Donc, il faut que, allez dans le Coran, sourate 47, verset 7. Oh, vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, wallahi, Allah va vous faire triompher. Et tant que nous parlerons de l'islam, on dit en Dula, Allah Moussakani, Allah Benadama. Moi, je suis chauffeur de profession, mais je ne peux plus aller conduire. Une anecdote, il y avait gagné remorque dans une société où je devais aller travailler. Celui qui devait nous recruter, il a dit, mais Moussa, si tu viens rouler là, qui va aller faire dawa? Et tu comprends? Donc c'est dans ça que moi je me suis mis dans acheter ancienne voiture et taper vendre. Mais les choses sont en train de partir tellement loin que je ne peux plus faire.
Je suis obligé de me consacrer à la dawa, mais je ne meurs pas de faim parce que les musulmans sont là. Les musulmans sont là. Je suis musulman. Je suis musulman. Voilà. Voilà pourquoi je dis, on ne meurt pas de faim. On ne demande pas. Les gens, Allah dit, on les reconnaîtra par l'extrait. C'est-à-dire quand tu vois le nécessité là, tu sais, mais il n'a pas dit dans sa bouche. Mais il y a des gens anonymes là qui nous soutiennent dans quel sens? Ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Hein. Ce n'est pas les Arabes. Ah, vous parlez, j'ai commencé, vous parlez. J'ai dit toute la vérité. Vous dites, c'est un migrant, ça attends, j'ai expliqué. Ah, oui. Même tout à l'heure, il est venu, il y a un frère qui m'a croisé, il m'a donné 10 000. On veut avant de partir, je vais te donner quelque chose aussi. Tu as vu? Donc voici comment nous arrivons à essayer de nourrir notre famille. Vois-tu qu'on a... Comme tu insistes, je ne vais pas prendre. Mais comme tu insistes, je vais lui donner. Parce que vous êtes fort. Il a insisté. Donc voilà un peu. C'est pour cette raison, parce que dans la vie, parce que honnêtement, même le professeur Salam, il était commerçant, il était berger, tout c'est ça. Vrai, donc, tu dois faire quelque chose. Voilà. C'est vrai que, en fait, vous savez, d'autres qui nous suivent ici, certains ont tendance à dire, oh, monsieur, ils font rien, c'est parce qu'ils comptent sur les gens. Il y a des gens qui doivent les aider, il y a des gens qui les financent. Voilà pourquoi ils sortent. Ça vous dit que finance même est donnée. Non. On se débrouille comme les autres, ça chauffe chez tout le monde aussi. Comme c'est... Quand fin du mois arrive là, son quai bat, mon quai bat. Parce qu'on est, on vit chez les gens, on loue maison des gens. Mais nous, c'est pas ça notre problème. Nous, on sait ce qui se passe dans notre vie, et puis on dit on s'en fout de ça, on venir parler de Dieu. Et puis Dieu va faciliter pour nous le reste. Voilà pourquoi je dis, en fait, souvent, l'honnêteté veut que, mais la sincérité veut qu'on ne dise pas tout. On ne veut pas montrer aux gens qu'on souffre. Quand ils nous voient, on ressemble à des gens qui souffrent. C'est pas vous, hein? Non. C'est Gabi qui m'a donné ça, là. Mohamed, le fils de Ayouba Adaloa. Ça, c'est un vœu. J'ai un bébé qui a fait ça dans le mariage de quelqu'un. Il n'y a plus que mes sapins. Bon, d'accord. Donc, il n'est pas en mariage, il s'est sapé les dents. Bon. Tu vois? Donc, Mohamed, ouais, il s'appelle Mohamed. Voilà. Donc, nous, c'est par la grâce d'Allah qu'on vit. Voilà. On n'est pas nécessité, on n'est pas besogneux. Mais si tu nous donnes là. On est dans les voitures. Il y a un frère qui a gagné, moi je le salue. Mm-hmm. Il a dit vous savez, envoyer l'assurance de la voiture là, c'est 3 mois, mais il a fait ça 1 an. Est-ce que vous comprenez? Je suis allé prendre ça au dia à la S-Beta. Voici un peu. Il y a un frère qui a dit, vos carburants pour aller à Korogo le mois prochain, là, ça coûte combien? On lui a dit, il dit m'envoyer l'air pour payer carburant pour qu'on ait fait d'avoir. C'est Dieu qui nous nourrit. Voici comme... ouais, c'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est ça que j'ai dit au début. Voilà. 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 Merci beaucoup. On va merci. Passer maintenant aux choses sérieuses. Faut pas faire son gué devant la caméra, pardon. Non, il a donné. Après, on va dire, il a donné chèque. C'est quoi? Imam. Non, merci. Alors, tu le compares. Merci. 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 Où t'as levé là? Alors, on a multiplié ça. Bon. On est sûr maintenant, l'imam est là. Il appelle son imam adjoint qui est en route, qui doit arriver d'un moment à un autre. C'est lui, Ekoune, qui se charge de nos convertis, de tous nos convertis dans un groupe, ou bien dans deux groupes WhatsApp même. Et quand le complexe Inch'Allah va finir, ils viendront leur enseigner maintenant, ou eux-mêmes ils seront là, Inch'Allah, en tant que les formateurs, et nous serons peut-être à côté dans le domaine de l'interreligieux. D'autres imams viendront, ainsi de suite. Donc, imam, Fadal, bismillah. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على من ختمت به رسالته ويطه بالنصر والكوثر وشفاعته وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام عليكم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله سؤال بيان بني عطوس إن شاء الله تعالى كم لبين عدي وصل جاني Voilà, nous sommes les imams de la DDR, moi et mon frère Kouné, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons décidé de, montrer aux yeux du monde, Inch'Allah, nos frères et sœurs qui se sont convertis à l'islam. Voilà, le peu d'encadrement que nous avons fait, quand nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est le mois du Coran, Inch'Allah, c'est le mois à laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohammed, alayhi wa sallam. Voilà, Inch'Allah, elles sont venues, voilà, pour vous les présenter, Inch'Allah. Et sans plus tarder, on va appeler quelques-unes, voilà, quelques frères. On peut aller vers elle pour les donner ou bien on va... Bon, peu importe, hein. Voilà, elle va réciter
pour que Soura doit pour montrer. Ah, tu viens de montrer que tes élèves connaissent. Voilà, c'est ça, mais maître, maître. Ok, maître. Lise sur WhatsApp là, ni jamais, c'est pas même, je ne peux pas avoir peur. Voilà, c'est ce que tu as pris sur WhatsApp. Voilà, voilà, ça. Viens, tu as pris ça ici. Quand tu faisais ta tuine là, voilà. Voilà, c'est une convertie qui a venu réciter le Coran. Exactement. Ceux qui sont nés dans l'islam, c'est que vous-même là. Yéni, elles vont vous montrer ce qu'on lui dit là. Ça dit, moi, c'est ça qui est bon. Le frère qu'on va, le premier qu'on va appeler, c'est un frère qu'on appelle Adam. Voilà, on va commencer par, voilà, on va commencer par lui d'abord. Ensuite, les autres soeurs vont suivre, Inch'Allah. Voilà, ça, lui, ça fait combien de temps qu'il est converti? Ça ne vaut pas 3 mois. Hein. Il pense bien, c'est ça, non? Il dit ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ça va les 3 mois, Inch'Allah. D'accord. Ça va bien. On comprend que 3 mois de conversion, la récitation. Bon. Non, c'est zo, c'est zo. Ou bien c'est zo. C'est zo. Ah. Donc, ça, t'as tué, même. Ah, donc, faut pas mettre. T'as tué. Faut pas mettre. Comme si on fait bien, tu t'as tué. Ah, ou. Mais c'est pas dedans. Toi, tu es converti, même. Tu t'es converti où ça? Départ pour vous. J'ai fait ma conversion, c'est par l'entremise de votre vidéo. Donnez-lui le micro. Voilà. Oui. C'est par l'entremise de votre vidéo. Non, c'est la vidéo. Que cela m'a motivé de faire ma conversion. Alhamdulillah. Et cela m'a beaucoup touché. Non. Et vous êtes en direct. Oui. Vous m'avez appelé, fait ma conversion. Bon, mais il ne me rappelle pas. Voilà, aux environs, il fait 3 heures. Il est en pas haut. Voilà. Avant l'aller, bon arrivé mon frère, c'est très bien, Inch'Allah. Imam, oui. Voilà, comme c'est votre élève, vous connaissez voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, voilà, il va réciter la sourate Nance, c'est ça? Ou bien 3 sourates. On va réciter 3 sourates. Et comment ça va? Les croyants aujourd'hui. Waloua. Kowa Koha, Kowa Loua. Wa Adi Adi Dabaran. Donc, t'as la facilité pour moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شدة شدة Imagine n'a plus lui à quoi, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, la maman, où est-elle? Bon, venez valider ici. Voilà. Venez valider ici. Voilà. Voilà, donc pour te récompenser de cette belle récitation, comme c'est le mois béni de Ramadan, la DDR s'est réunie et on décide par la communauté musulmane, en tout cas c'est pour rompre ton jeûne. C'est le baka, c'est le nyomi, c'est le sucre. En tout cas, tout est bon pour pouvoir rompre ton jeûne et qu'Allah te récompense beaucoup et qu'Allah t'en donne les mérites encore. Tu attends à côté. Voilà. Parce que ça sera appelé ma soeur Stéphanie. Stéphanie est demandée. Viens valider, viens. Non, viens valider. Si il a gagné pour vous tous, il a déjà confirmé déjà. Viens valider, viens.
On applaudit tous ensemble la sœur Stéphanie. Attapi. Mais on n'applaudit pas l'islam maintenant. Attapi. Voilà, on va l'encourager. Non. Pendant ce temps, vous préparez les lots. Voilà, chacune qui va, chacun ou chacune a dit son, sa lecture, on va lui remettre son lot. Normalement, leur transport est prévu, hein, mais quand elle va venir tout à l'heure, on va leur donner le transport parce qu'on leur avait promis, c'est là, Inch'Allah. Donc elle va résider la sourate 111, Tabatiyada. Inch'Allah. Bismillah. Ok. La sœur Mistoura. La sœur qui? Mistoura. Mistoura, tu peux rester. Elle est venue. C'est pas facile de venir. On revient, maman. Non, c'est pas grave. On a confiance en elle. C'est la fille de Ossène dernière. Oui, Mistoura. J'étais en direct un jour, sa fille m'a appelé. Allô, papa, excuse-moi, pardon. Faut m'aider, ma maman est devenue chrétienne. Oui, qui m'a dit? Oui, donne-moi son numéro. Ah, je l'ai appelé, alhamdoulilah. Allons-y, vas-y. 3 mois. C'est converti de 3 mois. Wallahi. Ils sont en train de réciter le Coran. Merci pour les lotus. Hein. C'est voilà. Le lotus que vous comprenez. Vous comprenez que quand on se convertit à l'islam, la langue arabe, là, c'est pas une langue vraiment qui est fermée, c'est une langue ouverte. Tu viens, tu apprends en quelques mois seulement, tu arrives à réciter quelques petits bouts de le Coran. Maman, bismillah. Ok, elle va réciter la sourate 110. Hein, la sourate Nas Rizadien dans son bois. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Mashallah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Traduction française ordinateur. Bismillah, ça c'est ton lot. Voilà, maman, ça c'est pour toi, c'est pour la rupture. Lorsque vient le secours d'Allah, non. Ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, non. Et par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Il paraît qu'il y a quelqu'un aussi qui vient se convertir. Vous êtes les bienvenus, Inch'Allah, tous ceux qui veulent se convertir. Qui veut se convertir? Tu vas taper un akabiri. Venez approcher. Ils ont cassé balle de conversion. Venez. Chacun va trier pour lui. Ah, ils sont deux. Vous êtes ils se connaissent la compagnie. Ok, c'est très bien. Donc, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir vous convertir? C'est quoi? C'est à cause des garçons tués de convertir, mais t'avais le gars. Non, c'est pas à cause des garçons. C'est à cause des nommés. Non. Ça fout fou. C'est vrai, toi-même, tu aimes la chose. Personne n'est à penser. Ils ne t'ont pas proposé de l'argent. Ils ne t'ont rien proposé. C'est toi-même tu veux. Très bien. Donc, tu vas lever ton index, toi. Tu prends le micro, tu mets ici. Voilà. Tu vas répéter ce que tu vas dire en arabe et en français. Ce n'est pas dur, c'est facile. Il faut dire Ash-Hadou. Ash-Hadou. An. La ilaha illallah illallah wa ash
Waaj. Adou. Adou. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ash. Adou. Ash. Ash. Adou. Adou. An. An. La ilaha. La ilaha. La. La. Ilaha. La ilaha. Ilalahu. Ilalahu. La. La. Ilaha. La ilaha. Ha. 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 La ilaha. La ilaha. Baha. C'est ha. Ha. La ilaha. La ilaha. Ilalahu. Ilalahu. Wa ash. Wa ash. Adu. Adu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste. J'atteste. Qu'il n'y a aucune divinité. Qu'il n'y a aucune divinité. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et j'atteste. Et j'atteste. Que Muhammad. Que Muhammad. Est le messager d'Allah. Et le messager de Allah. Attaque-moi. Merci beaucoup. Tu veux ta maman? C'est ce qui te plaît. Tu veux quel nom? Il y a Mariam, il y a Aziz, il y a Rachida, il y a Aïcha, il y a Ami, il y a Rachida, il y a Zeina. Tu veux quoi? Il y a Natou. Maïmouna. Okay. Dieu merci d'avoir pris Natou. Il faut t'appeler Maïmouna. Maïla, c'est du là. Maïmouna. Merci, Inch'Allah. On va te donner aussi son kit prophétique. Voilà, Inch'Allah. On va te donner ton kit prophétique. Il y a tapis de prière dedans. Il y a comment apprendre à prier en français. Il y a courant aussi en français. Tout ça. Tu vas t'attendre. Donc, tu vas t'asseoir ici. Envoyez une chaise pour elle, s'il vous plaît, Inch'Allah. Une chaise. Rapidement. Une chaise. Rapidement. Donc, on va prendre. On va prendre la dernière personne, la dernière convertie qui va nous réciter le verset du Coran. Les convertis depuis 3 mois, ça c'est les convertis actualisés, les fraîchement sortis. On va faire ça rapidement, puis on va aller. Ouais. Ceux qu'on n'a pas pu appeler aussi, ne vous fâchez pas, c'est compte tenu du temps, les soeurs convertis. Voilà, c'est compte tenu du temps qu'on ne pourra pas vous appeler vous tous. Ok, on va appeler la soeur Zina. On va appeler la soeur Zina, ça Zina. Vous avez vu le coin commence à se vider, ma soeur. Le coin commence à se vider, donc ce qui veut dire l'heure approche. On va aller rapidement, Zina. N'oubliez pas, il y a la rupture collective après la cérémonie, tout derrière. Vous prenez, vous installez, on va rompre le jeûne ensemble, Inch'Allah. Allons-y. Elle veut réciter quel verset, la Fatia. Ok, elle va réciter la sourate 112. Non, 113. À Falak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد Merci beaucoup. Masha'Allah. Donc on va appeler directement cette fois-ci tous ceux qui vont entendre les noms sont priés de bien se rendre ici, Inch'Allah. Non, il va les appeler, il a la liste. Ah ok, ok, on va les appeler par le temps. On va appeler Yeo Alimata. Est-ce qu'elle est là? Si elle est là, vous venez s'il vous plaît. Vous pouvez venir avec moi. Maman Yeo Amiata est demandé. Voilà, vous venez. Zorobi aussi est demandé. Au niveau au nom de la communauté musulmane, venez avec sa chaise s'il vous plaît. Voilà, Madame Zorobi est demandé, Inch'Allah. Yeli Nata est demandé. Yeli Nata Ouattara aussi est demandé. Ma soeur Kando Sandrine est demandé. Convertie aussi. C'est qui? Ouattara, voilà. Ouedrago Michel, ça c'est la convertie depuis 3 mois. Elle est là? Elle n'est pas là. Maman Jacqueline est demandée. Maman Jacqueline arrive. Ça c'est les convertis
enregistrée 2 semaines de la TDR de l'islam tout entier. Maman Léa est demandée. Maman Léa, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Bintou a demandé. Maman Bintou a demandé. Maman Bintou a demandé. Maman Touré Bintou aussi a demandé aussi. Voilà. Maman Touré Bintou qui maman Bintou a demandé. Bamba Fatoumata, maman a demandé. Fatoumata Bamba. Fatoumata. Maman Zoro Zeynab aussi a demandé. Si elle est là. Zoro, pardon, Zoro Zeynab. Zoro Zeynab a demandé. Maman Zeynab simple aussi a demandé. Zeynab aussi a demandé. Daouda Adebayo aussi a demandé. Papa Daouda Adebayo a demandé. Maman Sarah aussi a demandé. Maman Sarah. Maman Sarah n'est pas là. Tonton Roméo a demandé. Tonton Roméo. Maman Sarah, c'est toi. Vous êtes tous arrêtés. Venez, venez, maman Sarah. Regarde. Demandez Fatim. Vous êtes coupé, hein? Vous, c'est maman Sarah, non? Ok. Maman Diomandé Fatim a demandé. Maman Diomandé Fatim a demandé. Maman Doumbia Makakbe a demandé. Ensuite, maman Doumbia Makakbe arrive, non? Ok, elle arrive. Maman Sidibé Danjo a demandé. Maman Mistoura a demandé. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Maman Aïcha Léotine a demandé. Maman Aïcha Léotine a demandé. Maman Vani. Papa Konaté Adam a demandé. Est-ce qu'il est là? Konaté Adam est là, venez. Maman Stéphanie a demandé. Maman Stéphanie. Maman Marie. Maman Nadège a demandé. Merci. Et maman Céline Poufini a demandé. Ok. Maman Honorine Fatou a demandé. Honorine Fatou, vous pouvez venir. Maman Aïcha. Aïcha Cité-Vette. Elle va venir. Maman Grâce a demandé. Aristide a demandé. Carole. Maman Carole a demandé. Maman Kouadjo. Bekanti a demandé. Maman Sarah Soro a demandé. Ok. Maman Tina a demandé. Maman Touré aussi a demandé. Maman Latifa a demandé. Maman Chata. Latifa arrive, voilà. Maman Chata aussi la suit. Maman Christiane aussi la suit. Maman Christiane. Maman Christiane. Toi béni. Maman Ami Jennifer a demandé aussi. Maman, non, c'est pas maman. Papa Idriss a demandé. Maman Lala a demandé. Si c'est Fatmata aussi a demandé. Maman Latifa aussi a demandé. Maman Léa a demandé. Madame Léa. Madame Néa. Madame Néa a demandé, s'il vous plaît. Madame Zara Latifa aussi a demandé. Maman Elodie. Et puis maman Laure, plus maman Clarisse, égale maman Vanessa. Vous êtes tous demandé les mamans. Voilà, Mashallah. Au total, on a 50, on a pu recueillir, elles sont beaucoup, elles ont plus que ça, mais on a pu recueillir 50 personnes. 50 personnes. Voilà, donc on a fait des lots pour distribuer à ces 50 personnes-là. Donc celles qui ont entendu leur nom, vous pouvez venir récupérer vos lots. Mais en même temps aussi, profiter de l'occasion, comme il est déjà l'heure, on va aller faire la rupture. Après ici, on va tous aller là-bas avec les chaises, on va s'asseoir, on va rompre collectivement là-bas, on va aller prier ensemble, Inch'Allah. Donc, mais... oui, maman Clarisse, maman Laure, maman Vanessa, maman Aouré aussi, maman Aouré. Donc, merci beaucoup. Sur ce, attends d'abord. Est-ce que
Ok, on espère que tous ceux que nous avons appelés ont eu leur lot. Tous ceux qui sont... Donc, tous ceux qui sont venus, on va aller directement à la rupture collective. Allons-y directement. Voilà. Voilà. On va aller directement à la rupture collective comme il est déjà l'heure. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à tous. On se lance directement à la rupture collective là-bas derrière, comme vous le voyez, pour eux, ensemble, Inch'Allah. Où est-ce? Venez. Vous venez d'arriver. Ah oui, ce sont mes soeurs convertis. Quand c'est demandé. Kassim est demandé. Faut le remettre pour eux. Donc on va aller prendre place, Inch'Allah. On va prendre place dans la discrétion, doucement. On va prendre place pour la rupture collective, Inch'Allah. Voilà, ma soeur, bien. Non, après, on va finir déjà. Voilà, il t'a donc. Donne le plus. Très bien. Là-bas,